Tey moom damay wax ci un peu sur le côté sécurité, milieu muy milieu boo xam ne j' aime beaucoup, bari ci ay xarit di ci évoluer. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, mais waxuma pour attaquer ou bien pour dénigrer ou bien pour peut-être sama xalaat. Voilà, parce que dama remarqué benn affaire. Moi, que à chaque fois, depuis Dawa, depuis très longtemps, j'organise des stages et des systèmes. Le plus souvent, il y a des agents de sécurité, ils ont surtout une protection rapprochée, ils ont mis en. Mais ce que j'ai remarqué toujours, c'est que les stages, ils ont mis en. Est-ce qu'il y a une carte professionnelle? Est-ce qu'il y a un diplôme? Man souvent dama né man bon je sais pas un stage d'un week-end stage une semaine naka lañ la ci mëna joxé carte professionnelle et carte professionnelle c'est être professionnel carte professionnelle c'est être professionnel on peut pas être professionnel ci benn domaine bo xamné janguñu ko ba mokal ko maîtriser ko c'est ça le mot professionnel moy dang ko jang xam ko mokal ko maîtriser ko ba bari def ko sa liggéey. C'est ça qu'on appelle professionnel. Les monognons, ils stage, ils ont des cartes professionnelles. Donc, je me suis dit à la fin que, souvent, ils misent trop sur le côté diplôme, carte professionnelle. Qui est direct l'indigente. Donc, ils ne pensent pas trop au côté technique, la connaissance. Donc, là, vraiment, c'est mentalité sénégalaise. Surtout non, les agents de sécurité. Ils ont à chaque fois carte professionnelle, diplôme. Qui est le samedi dimanche. Et donc, c'est comme si technique intéressait ou ni. Ils intéressé moi les diplômes, les cartes professionnelles, les intéressé. Donc, je pense que ni moi compétence bi. Maîtriser ko. Moi, maîtriser. Lolo vraiment na ci ñinni bayyi xel ci am benen bi moy j'ai remarqué aussi beaucoup d'agents de sécurité des éléments de sécurité duñuy pratiquer les arts martiaux voilà pratique na buñ ko waxe nga ñëw diko def à long terme nek ci ba am maîtrise benn base bu solide lolu lañ wax pratique ay mo no ñëw def benn stage karaté def benn stage krav maga benn stage Samado, boxe, ainsi de suite. Maintenant, j'ai fait ça. Voilà. C'est ça. C'est vrai que diplôme et attestation, parce que moi, j'ai beaucoup d'éléments à travers le diplôme que nous déposons, parce que si vous êtes à l'agent de sécurité, vous avez protection rapprochée, voilà, surveillance uniquement, et gardiennage. On dépose uniquement ce diplôme, mais qui fait la même chose que toi, il a des attestations ou des diplômes dans les arts martiaux, il a plus de chance pour lui dire le quoi. Seulement, voilà, je sais ce que. Parce que je sais qui a expérience, qui, voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous gang. Disons que les arts martiaux, on parle de militaires. Donc, que pour qu'il sécurité, ou alors les forces de l'ordre, donc on va pratiquer à long terme. Ça, mon Diarou Sarki, c'est la base. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir le complexe ou la lénine. Allez-y apprendre. Ah, allez-y apprendre. Ce n'est pas pour être dans une université, en Asie, en Chine, ainsi de suite. Bogonné avec un diplôme d'art martiaux dans les universités d'art martiaux. Toutes les grandes portes du garde-robe, c'est ouvert. Parce que c'est la base. Sécurité, la noire. Donc, tu dois protéger. Je pense que balaa ngay mën a protéger nit, il faut nga mën a protéger sa bopp. Voilà. Man le conseil que je donne, allez-y, ñi ni nañ dem jàngi ak discipline boo mën a def. Voilà. C'est vrai qu'am na discipline yoo xam ne ils sont beaucoup plus adaptés dans le milieu sécurité. Demal def mais yëpp baax na. Ak bu mu mën a doon, demal jàngi. Waxu mën a jàng 1 mois, 3 mois, 4, jàngal ba approfondir am ci base solide. Il faut y aller.
Gis nga lolu le vous dans le domaine professionnalisme dafa am lo xam dafa nek ci nit pour ñu ragné ni diw c'est un professionnel xam li ngay def mën ko mokal ko mais ak attitude et comportement là parce que mono de sécurité défaut gestion du stress lu tax ñu leen di jangal gestion du stress contrôle des émotions c'est pour que ngeen mëna dal parce que sécurité andout ak tangu xol sécurité andul ak ragal sécurité andul ak yakamti sécurité dal la intelligence voilà donc je pense que ñi ni nañ dem té art martial lolu la lay jangal voilà art martial waxuma bon il y a des disciplines comme nous quoi yo xamné sont beaucoup plus favorisées dans ce milieu mais ñi da ngeen wara dem jangi dem leen ngeen jangi les arts martiaux bayi ñew def ben stage Krav Maga wala ben stage Samado wala Viet Vodao karaté sistema nga en un week-end nga di jang na li mais fofu dañ le booster on t'a juste booster pour ton maintenant elle va approfondir même bo mën ta inscrire ça faut des stages demal ci stage demal ci stage demal répéter les stages ak pour mëna do répète les stages moi j'ai des amna élèves sistema yo amna mësuñ inscrire une salle mais fuñu dégg stage dañuy dem buñ amé jot mais ils ont un très bon niveau ak discipline de len dem ci stage ko amu len jot inscrire ci salle parce que aussi ñen ñi bo waxe ñu né non dafa cher mais ñun man de personnellement li may def du luma foratu du luma for j'ai dépensé des millions pour jangalé lima muy verbodao bi voyage yi may def à l'étranger c'est de l'argent bo invité expert ko fiel bi fiel ko hébergement jox ko mu lek buy dem nga jox ko prix jëm système bi mom wax nopi c'est des millions que j'ai dépensé pour ça. Donc légui buñ la né sax ah dafa cher mais ñi ni foru ñu li ñi def dañu dem on s'est sacrifié parce que xamna né suñu réew mo soxla lool ni réew mi ni mu soxla ay ingénieurs en informatique en leneen ni mu soxla ay médecins non le réew soxla dans les sécurité té mënu wax sécurité waxu ñu art martial les arts martiaux c'est militaire. Homme de tenue, ñep lay waxal na képp ku nekk sol tenue nga nekk sécurité privée publique force de l'ordre da nga wa dem len jangi il faut ngeen jangu ko parce que dafa am lu bari lu muy def ci sen mentalité je vous assure vous n'allez pas le regretter je répète en waxuma jang def ben sa ñaari sa ñet stock non approfondissement allez-y vous allez être encore beaucoup plus calme beaucoup plus serein face aux situations parce que yenn situation yi critique pour nous mën ko gérer il faut que tu sois calme. Mais art martial, lo ci yagge lolou lay def ci yow donc mais vraiment je conseille les gens d'aller s'inscrire dans les savoirs faire beaucoup de stages pour se perfectionner wagn yi waye gaay dal mom dem yëkëti wagn ponkal gis nga finalement ce qu'on appelle les gros bras waxuma ñep parce que je sais que dans le milieu sécurité il y a des professionnels il y a des gens des têtes. Je connais beaucoup de professionnels, c'est des vrais professionnels. Donc, mais à l'image, moi, quand ils m'ont, moi, je connais ça, ma gars, ils m'ont, demain, entre moi et toi, quand ils m'ont connu. T'es là, l'image que j'ai marqué, moi, qu'est-ce que, comment entre moi, quand ils défendent, parce que les gars, ils veulent qu'ils bossent, les gars, non plus. Alors, vous pouvez les salles, t'as une idée. Nous, ben, l'autre, t'as une idée aussi. Mais c'est ça, parce que c'est pas facile. Mais agent de sécurité, non. Ta formation, ça va être dur. Alors, moi, je préfère, comme je dis souvent, il y a une formation, je me casse. Parce que j'ai une formation, je vais les gars, je vais les torturer, je vais les attendre là. Tant que nous perdons cette torture, nous pratiquons les techniques de combat. C'est un fou. Bon, tu vois, ils sont forts. Physiquement, ils sont forts. Mais techniquement, ils sont nuls. Parce qu'on met trop de temps sur le côté. Parce que renforcement, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Il faut que je pense que dans les formations, côté bon, on doit mettre l'accent sur cette formation. À part la théorie, les techniques de sécurité, la sécurité, les principes de la sécurité, les techniques de sécurité, ainsi de suite. Mais les techniques de combat rapprochées, c'est une obligation. Voilà. Si tu ne peux pas te sécuriser, mono-sécuriser, moi, je vois souvent, si je suis un VIP, je vais mettre à terre. Moi, je vois aussi des gars en mer.
des gars affolés. Parce qu'ils n'ont pas de bagages internes qui leur poussent à avoir plus de confiance. Parce que si tu n'as pas la confiance en soi, moi, tu as un gars au merde, un gars qui, et après, voilà, ça crée des problèmes. Alors que sécurité, là, du lolo. Donc, je pense que c'est des conseils que je donne. Voilà. Il faut une école de formation. Mettez l'accent sur ça. Mohamed, qui bouge mes formations? Mais en matière de combat rapproché, il y a une base. Parce que le Sénégal n'a pas bien affaire. Si il y a une arme à feu, ça ne marche pas au Sénégal pour l'instant. Donc, la meilleure arme, c'est les armes naturelles, la tête. Lolo. Donc, il faut mettre l'accent sur ça. Voilà. Et l'autre, moi, il va dans le sens. Parce que un agent de sécurité, pour moi, la formation physique, physiquement, donc c'est un renforcement, am katan, être fort physiquement. Mais la force physique, là, du gabarit. Du gabarit? Non. Il est plus fort que toi physiquement. Voilà. Et donc, force physique, moi, capacité, bien, am. Si vous avez des actions, des réactions rapides, c'est ce qui est une force physique. Et si vous avez la capacité de manier ton corps, avec des réactions, de la finesse, il n'est pas fort. Dans les arts martiaux, la force physique, c'est ça. C'est la capacité de manier sa yaram. Et vous avez des choses à faire. Si vous avez des choses à faire, si vous avez des choses à tourner, tourner. Voilà. Donc, force physique, vous avez des choses à faire. Vous avez des renforcements. Vous avez des choses à faire. Vous renforcement. Vous avez des Mais le problème, c'est l'agilité du corps, la souplesse et l'agilité du corps. Parce que tu as besoin des actions, des réactions. Mais si tu es trop tendu, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour l'aller. Il ne faudrait pas que mes amis qui. Je parle pas de manière générale, c'est des conseils que je donne. Parce que moi, depuis plus de 30 ans, je suis dans le milieu des armes. Donc, c'est une arme de façon là. Il faut que manier am capacité de réaction pour lolu nak il faut yaram bi am agilité am souplesse mais boko jëlé ni ko gëj do mëna def lolu moy waral ñenn ñi bu démé mission problème am problème nga gis ñu ko parce que il y a pas une facilité pour mu manier yaram bi il faut mu jël katanam yëp def ko pour mëna da ngay gawa son ay gawa son donc allez-y je vous encourage yëkëti len wëñ tolulen lu len neex mais il faut ngeen yok ci lenen les techniques de combat dem len ci salle ngeen entraîner wu dorante entraîner ba ñak ñu tass sen yaram je suis donc regretté benen bi il faut travailler beaucoup les techniques de souplesse voilà parce que sa yaram lu mu ponkal pon da nga do da nga waram capacité mën ko yëngël mën ko magné pour faire des actions des réactions yu rapide voilà benen moy le coffre fort il faut ngeen endurance tak len sen dal yi di daw yi daw ngayen koy def il faut aller faire du sport ngay di daw parce que d'accord le fait de soulever les poids je le dis encore mais parce que le physique mais il y a l'endurance aussi mission dafa laaj daw dafa laaj dox il faut ngay tak sen dal di daw yi outil voilà condition fi daw rek voilà donc c'est ça le physique ci la bok buñ né force physique moy lolou katan bi waxna ko encore nit ki meun na la gëna tuti ëpp la katan parce que buñ né bar dawal buñ na lay daw fi ba 3 km top da xanté wara bi sauver un VIP mais bo amu force bi mëno daw buñ défé 100 mètres 1 km ko parce que daw attane sa yaram bi alors que mënon nga def renforcer bo tollu la neex mais nga liggéey benen côté bi pour nga xamné yow voilà tu non seulement am nga katan machallah mais yene yep daf ci and donc bu len sagane côté bobu allez-y renforcer au physique renforcer la souplesse les techniques d'arts martiaux lolu mom au quotidien ne serait-ce que deux séances par semaine il faut aller dans les salles vous entraîner il faut aller vous entraîner bu len top weñi rek non xassuma rek bu len top weñ dem len ngeen entraîner wu fu ngeen boko mon stage bo deg demal discipline bu meuna nek dem len Dungen ko rëccu. Voilà. Maintenant, ce côté, bo amé ce côté physique, il y a ici le côté mental. Le mental. Si tu n'as pas un mental fort, mon or affronte une situation. Mental, force, mental. C'est vrai que dans l'entraînement, à la formation, il y a des exercices pour renforcer votre mental. Mais là, tu formes un peu, il y a des gens. Je vais vous inscrire dans la salle ou dans le stage.
Parce que exercice, par exemple, nous au système, on fait beaucoup d'exercices de développement du stress, de gestion du stress. Parce que si vous gestion du stress, c'est force mentale. Il faut avoir un mental fort. L'on a beau remettre ça, mieux c'est uniquement pour ça. On te fait souffrir. Mais salle de musculation, on est dans la tête, alors que dans la salle, on te pousse à aller. Allez, nous, allez, un, deux, dem, dem, dem. C'est pour développer ton mental. Beaucoup mais fait qu'un entraînement, aussi dans booster. Il va te pousser à aller, dépasser tes limites. Parce que vous avez rek du ñep ñoo xamné voilà mën nañ ko def waye amna ñoo xamné buñ amul ku leen jappalé buñ sonné rek dañuy taxaw. Donc vraiment moi, lo xamné dama xone dama koy baxé nañ dem entraînez-vous dans les salles mes amis qui sont dans les hommes de tenue les forces de défense ñep lay waxal nak parce que sécurité c'est ça c'est d'abord savoir se sécuriser. Et quand on maîtrise les techniques de combat avec un entraînement assidu, ça développe nos capacités mentales, ça développe notre force mentale. On a la confiance en soi. On a dogawatit, on a dogawamet, dogawu patiné. Parce que tu as la confiance. Mais nous, tu peux dire, l'on a beaucoup à moi, on a commencé sag saga, fi dur fi, il y a un problème. Meeting, il y a un problème, agent de sécurité, il y a un problème. Parce que n'y abordé. La dissuasion, ça fait partie, d'accord? Mais le dissuader, ça fait partie de la sécurité. Mais à tout moment, nous sommes tous les remarqué dans la sécurité. La plupart, nous sommes tous dissuasion avec là. Soleil, ça n'a pas de sens. Dissuasion, nous avons la discrétion dans la sécurité. Discrétion, la personne qui pratique la sécurité. En toute discrétion, parce qu'il a la confiance en soi. Je me répète. Si on n'a pas la confiance, ils parce qu'ils ont peur. La personne qui a la confiance en soi, souvent, il est toujours discret. Parce que dans les situations, il est tranquille, il peut gérer ça. Parce qu'il a tous les bagages qu'il faut pour pouvoir gérer. Voilà. Mais si on n'a pas assez de bagages, le moyen du problème. Donc, moi, je vais vous montrer une arme. Voilà, ni n'importe parce que beaucoup, regarde. En fait, c'est la peur, ce qu'on appelle la peur. La peur, de toute façon, hein, il faut faire attention. Voilà, donc, vraiment, je conseille aux gens d'aller pratiquer. Moi, je suis un pratiquant des arts martiaux. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Demain, inscrivez-vous à ça. Mais dorénavant, comme gars, bon, moi, une compétition, demain. Sinon, tu te limites sur le côté combat rapproché, sur le côté l'ENN. Allez-y, allez-y. Tous les grands, mais dans les certains pays tels que la Chine, la Russie, beaucoup de pays, ils ont calé dans la sécurité rapprochée. Holland, c'est un élément. Ils tout, ils donnent. Très dangereux. Parce qu'ils ont capacité de réaction, c'est extraordinaire. Voilà. Mais vraiment, allez-y, vraiment, c'est des conseils que je vous donne. Je répète encore, dans la sécurité du Sénégal, alhamdoulilah, on a beaucoup de formateurs, beaucoup de professionnels, mais lui, de m'aïti, attirer attention, ni, nous gagnons du bail, la sécurité, douloureux, rek, du seul tenu. Voilà. Tu te vois, c'est un gars qui a fait le ramener. L'ingus qu'on ramener, garder bout de école, rek, d'un gars, il faut que nous qui, Afghanistan, l'aime. Mais c'est grave. L'aïti, déjà, il y a d'un gars, sol, le ramener, des trucs, il y a ramener, nous, on a de manier ton corps, tu ne peux pas faire certaines réactions. Tes situations, amour, une situation, vous le poussez à apporter ça. N'oubliez pas, vous devez avoir la capacité de manier votre corps. C'est fondamental pour un élément de sécurité. La réaction. Réaction appropriée. Réaction vif, rapide, monoko am. Vous faites qu'il y a un autre qui ne peut pas l'avoir, ce n'est pas possible. L'autre, soit ça y a un mot, ou de la porte, tu ne peux pas bouger. Évitez ça. Donc, sécurité toujours. Bon, solo va pareil. Vous allez sentir ça y a un qui bouge, voilà. Tout va am dans la douleur gérée. Commençons par ton corps. Parce que nous avons dit que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas rien faire.
C'est pour rien, frère. Franchement, c'est des conseils, c'est pas pour. Je répète encore. Je ne sais pas l'objectif pour Hass. Bana ko debi ñi ñi ñomay wo li ne ñëkale carte professionnelle voilà xam xam bi mo bu solo xam xam bi buñ la joxul carte way xam xam bi hein xam xam